Irving Picard soupçonne la banquière autrichienne Sonia Cohn d'être la complice principale de Madoff. En Sonia Cohn, Madoff a trouvé une âme sœur criminelle, dont l'avidité et l'inventivité malhonnête égalaient la sienne, a-t-il déclaré. Elle est accusée d'avoir, pendant plus de 20 ans, orchestré une vaste machination illégale. Monsieur Madoff payait Madame Cohn qui rabattait l'argent de ses clients vers le fonds de Monsieur Madoff, qui la payait secrètement en retour. Dans la plainte centrée sur Sonia Cohn, Picard lui réclame 9,1 milliards de dollars de dommages et intérêts ainsi que 10,5 milliards à la banque qu'elle a fondée, à la banque italienne UniCredit, à sa filiale Banque Austria et à 53 autres personnes et entités. Compte tenu de l'étendue du montage Ponzi de Madoff, de la nature trompeuse des accusés et de la structure délibérément byzantine de Medici Enterprises, nous pensons que seront révélées encore plus d'informations relatives à l'ampleur réelle de cette entreprise criminelle, ajoute-t-il.